Salut tout le monde. Alors, comment est-ce que j'ai obtenu cette coiffure avec ma malaisienne Deep Wave qui m'a été envoyée par la société For Beauty Forever? Donc, je vais vous montrer comment. Allons-y. Donc ici, moi, ils m'ont envoyé 3 paquets de cheveux avec une frontal. Là, il faut définitivement qu'on change la couleur. Elle a l'air vraiment blanche. Et 3 paquets de cheveux de pouce 20, 18 et 16. Oui, je pense bien. La pousse, c'est 20, 18 et 16. Les cheveux sont vraiment souples. Ils bouncent, ils bougent vraiment bien. J'aime bien. Donc, je vais vous montrer comment on va changer la couleur de notre fronto et comment on va la rendre naturelle pour qu'elle ait la couleur de mon teint, quoi. Premièrement, il vous faudra une crème décolorante de volume 40. Ensuite, une poudre activatrice. Et il vous faudra aussi un correcteur qui va donner une couleur vraiment semblable à votre teint quand vous allez appliquer sur votre fronto. Et bien sûr, un shampoing, un demi-lent pour redonner la vie à votre fronto. Et un bowl, un petit truc pour tourner. Et pour terminer, bien sûr, un mixeur et des ciseaux si vous en aurez besoin. Donc, premièrement, vous allez mettre votre poudre activatrice dans votre bowl et ensuite, vous allez ajouter votre crème décolorante. Ajoutez tout doucement parce que vous ne voulez pas que la crème soit très liquide et vous ne voulez pas qu'elle soit très lourde. Donc, voilà. J'ai ma copine Nikki qui est venue m'aider. C'est ma première fois de faire tous ces mélanges. Donc, elle est venue me montrer comment le faire. Là, c'est Nikki qui est en train de faire le mélange. Voilà, elle vient d'ajouter le correcteur dans le mélange pour donner une couleur plus forte à mon fronto. Et comme vous pouvez bien voir là, la pâte est très consistante. Elle n'est pas lourde et elle n'est pas légère, elle n'est pas liquide. Elle est vraiment consistante. Vous ne voulez pas qu'elle pénètre dans vos cheveux. Vous ne voulez pas qu'elle touche vos cheveux, sinon elle va changer la couleur de vos cheveux. Donc là, Nikki est juste en train de mettre, d'appliquer la pâte, le mélange. Et après 20 à 30 minutes, Nikki a rincé le décolorant sur ma fronto et elle est en train de laver la fronto avec un shampoing et un demi-lent pour redonner la vie à ma fronto. Donc après ça, j'ai lavé tous les cheveux. Oui, j'ai tout lavé parce qu'il y avait une odeur pas très forte, mais un peu forte quand même sur les cheveux. Et j'ai laissé les cheveux sécher toute la nuit. Et le lendemain, quand Nikki est revenue, elle a commencé à ploc, voulant dire à rendre ma fronto naturelle. Voilà, elle est en train de le faire. Elle me montrait comment le faire. Donc voilà, c'est Nikki, mon amie, qui est en train de le faire. Elle veut que je sois en flic. En flic. Donc voilà, le lendemain, si vous voulez voir comment j'ai fait cette perruque, je vais laisser le lien sous la barre d'infos. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment je fais les perruques. Voilà, le lendemain, je mets ma perruque sur ma tête avec ma fronto et je vais essayer de la rendre aussi naturelle que possible. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Là, j'utilise mon gel Eco Gel avec une brosse à dents que je n'utilise pas dans ma bouche, bien sûr. Et je commence tout simplement à appliquer mon gel et à rendre la devanture plus naturelle. Et comme vous pouvez bien le voir, je suis en train de couper des petits baby hairs là-devant pour donner l'air plus naturel à la devanture de mon fronto. Donc voilà, je vais juste continuer à le faire et ensuite je vais vous montrer le résultat. J'ai vraiment vraiment aimé cette chevelure, surtout le fronto. Donc voilà le résultat. Là je suis juste en train de couper les petits bouts qui sont sortis, qui sont un peu longs et tout. Donc juste pour rendre la perruque un peu plus sexy quoi.
Et après avoir coupé tous les bouts, j'ai aspergé un peu d'eau pour redonner la vie à ma chevelure parce que là, elle a vraiment l'air sèche et tout. Donc, vous pouvez mettre un peu de demi-onde dans votre eau si vous voulez, mais moi, c'est juste de l'eau simple que j'utilise. Là, c'est juste de l'eau. Et comme vous pouvez bien le voir, mes boucles sont en train de revenir très, très doucement, mais sûrement. Elles ont l'air vraiment très jolies. J'adore vraiment. J'ai vraiment adoré cette coiffure et la chevelure est vraiment souple. Et ouais, je recommande absolument. Je ne suis pas du tout déçue. Donc voilà tout ce que j'ai perdu comme cheveux tout ce temps. Voilà à quoi ça ressemble derrière. J'ai ralenti la vidéo juste pour que vous puissiez voir la qualité de la chevelure. Et voilà, j'ai rapproché la vidéo pour que vous puissiez aussi voir à quoi ça ressemble vraiment. Donc voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo. Le lendemain, j'ai fait trois coiffures et je vais vous montrer comment j'ai fait ces coiffures dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, je suis juste en train de danser un tout petit peu. Donc voilà, le lendemain, j'ai essayé de faire quelques coiffures pour voir à quoi est-ce que je vais ressembler. Là, c'est ma première coiffure avec fente à côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Le lendemain, j'ai essayé de faire une fente à côté juste pour voir à quoi est-ce que je ressemblerai avec une fente au milieu, je veux dire. Donc voilà, une fente au milieu. Je suis pas trop fan des fentes au milieu, mais bon, je sais que je peux bien rock une fente au milieu. Donc voilà ma fente au milieu. Et ensuite j'ai obtenu un pompon, comment dirais-je, un pompon, oui, un truc juste que juste une petite coiffure avec des cheveux au-dessus de ma tête, juste pour voir à quoi est-ce que ça va ressembler. Donc j'ai pas trop aimé cette coiffure, j'ai plutôt aimé la quatrième, surtout la première et la quatrième, donc fente à côté et la dernière. Mais voilà, celle-ci, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Je ne me vois pas trop en train de porter cette coiffure. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et pour la quatrième coiffure, j'ai obtenu un truc comme un petit nœud au milieu de la tête. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celle-ci par contre. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle coiffure est-ce que vous aimez le plus? Donc je vais arrêter de bavarder et je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé tous les styles que j'ai pu faire avec cette perruque. Et comme je vous ai dit, j'adore cette chevelure. Et je vais laisser toutes les informations de Beauty Forever Hair sous la barre d'infos. Et bien sûr, avec un code promo qui va vous permettre d'avoir une réduction quand vous allez faire vos achats. Et dites-moi ce que vous en pensez et tout. J'aime vraiment, j'aime. Dites-moi quel style est-ce que vous avez, vous préférez voir sur ma tête et tout. Et comme d'habitude, on va se reprendre dans ma prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. N'oubliez pas de me retrouver sur Facebook et Instagram. Je vais laisser ça là quelque part. Gros bisous à vous et à très bientôt. Bye bye.